Bonjour à vous les filles Silver on the Run. Je suis très contente de vous retrouver. Cette fois-ci, on va être un petit peu plus olé olé. C'est vrai que c'est Noël. Figurez-vous que je n'avais absolument pas envie de faire un sapin de Noël. Et puis je me suis dit non, ce n'est pas possible. Pour les filles Silver, je dois en faire un. Et surtout, je dois leur montrer le sapin que je fais régulièrement. Donc je l'ai apporté dans mon bureau. Vous voyez, il ne sera pas dans le salon. Et il est un petit peu typique des Caraïbes, c'était aussi pour ça, hein. Je vous montrerai les petits détails. Mais d'abord, on va parler de ma robe. Eh bien oui, regardez bien, je suis un sapin à moi toute seule. Tiens, je fais comme ça, ça fait presque un sapin. Mon mari dit que c'est vert wagon, c'est bien un homme, parce que c'est pas du tout ça, c'est un vert canard. Alors on aime ou on n'aime pas ce ton-là, ça va ou ça va pas, surtout. Je pense que, enfin moi j'ai toujours bien aimé, donc ça doit m'aller à peu près. Et puis, ça c'est chez Promode, hein, tout simplement. Et puis j'ai trouvé le sac assorti, parce que c'est vrai que j'avais pas des sacs avec des couleurs qui allaient si bien que ça. Et bah, ma foi, c'est en plastique, hein, c'est en vinyle. Et je trouve que c'est très sympa de pouvoir allier le sac et la robe. D'autre part, j'ai choisi des chaussures qui sont aussi alors d'un confort extraordinaire. Je vous dirai la marque. Je les trouve bien. Elles sont à moitié un petit peu noires, moitié un petit peu bordeaux. Et j'ai fait un rappel avec un petit bracelet en plastique. Et je trouve que ben, c'est pas si mal que ça. Mais. Oui, alors figurez-vous que je suis allée voir ma dermato parce que j'ai des taches brunes, bien sûr, hein, avec le temps et l'âge. Et celle-ci me dit, mais non, vous n'en avez pas beaucoup. Et quand même, elle a pris son laser liquide et j'entendais de partout, elle me tournait dans tous les sens. Et non, je vous assure, vous n'en avez pas tellement. Mais j'avais l'impression d'avoir en fait John Wayne qui était en train de marquer au fer rouge ses bêtes, hein, vraiment. Bref, je suis ressortie, je suis de partout, j'ai des spots de partout. On a l'impression, oui, que j'ai des rustines. Et j'ai rasé les murs, bien sûr. Mais là, j'en ai au moins pour 15 jours. Oui, c'est comme ça. Que voulez-vous, hein, il faut être moche avant d'être belle. J'avais l'impression d'être un peu Madame Mime, la sorcière Mime, vous savez, dans le film de Walt Disney, Merlin l'Enchanteur, où quand elle triche, et Merlin, pour le coup, lui envoie, je crois, un virus, et pouf, 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 elle en a de partout. Ben, moi, c'était pareil. En l'espace de quelques minutes. Voilà. Donc, eh ben, c'est tout, puisque je suis déguisée en sapin de Noël, eh ben, je vais mettre un collier, camoufler un petit peu ça. Cela dit, je me coiffe les cheveux en arrière, parce que c'est vrai que ça irrite énormément, hein, les petites espèces de petites brûlures et de petites plaies, hein, quand même. Je préfère envoyer mes cheveux en arrière, voilà l'explication. Et ce qui est bizarre, c'est quand je me vois comme ça, j'ai l'impression de ressembler à mon papa, de plus en plus. Mon mari me le dit d'ailleurs, donc finalement, eh bien, le soir, il se retrouve avec son beau-père. Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est qu'il ressemble aussi de plus en plus à sa maman. Donc finalement, eh bien, c'est sa maman le soir qui est avec mon papa. C'est étrange. Je ne sais pas si vous avez les mêmes problèmes. Alors, ce sapin des Caraïbes, c'est en fait un peu le sapin de la petite sirène. Vous voyez, j'ai des références, je continue sur Walt Disney. Déjà, eh bien, j'ai mis en bas un filet, comme un filet de pêcheur, doré, bien sûr, qui attrape tous les cadeaux. Mon mari a regardé déçu, il n'y avait pas de cadeaux. Alors, en fait, je vais tout vous dire, on se les a déjà fait, les cadeaux. On est un petit peu bizarre, mais oui, on n'a pas résisté. On a déjà nos cadeaux, mais ce qui va me permettre de vous parler d'un de mes cadeaux, justement. Et puis, bah oui, qu'est-ce que j'aime mettre aussi, qu'est-ce que j'aime poser? Eh bien, ce sont des coquillages, ce sont aussi des algues, on regardera ça de plus près, typique bien sûr de chez moi. Et puis, bah, le colibri, hein, cet oiseau mouche, comme on dit aussi, qui vient souvent, dès qu'on arrose un peu les plantes, il vient boire sur tout près de nous, il n'est pas farouche du tout. Là, un petit peu plus près, on le regardera plus près, la libellule qui, elle, quand on est à la piscine, vient parfois prendre une petite goutte d'eau également. C'est javelisé, je sais pas, elle a l'air d'aimer, elles ont l'air d'aimer les libellules. Voilà, mais si vous voulez, je vais vous inviter un petit peu plus près pour voir ces fameux coquillages.
remarquerez que c'est un sapin synthétique, en plastique, un faux bien sûr, parce qu'ici c'est pas si simple que ça, mais il n'empêche, on a des vrais sapins si l'on veut, qui viennent directement du Canada ou des États-Unis, mais bon, c'est pas facile de les garder longtemps. Moi je préfère mon sapin, mon faux sapin. Cette année, j'ai envie de mélanger du cognac avec le couleur cognac, avec le rouge, le doré. Je trouve que ça rend pas mal et ça fait ressortir justement les coquillages. Là, je vous parlais des algues aussi, voilà, qu'on place comme ça. Je trouve ça assez sympathique. Voilà, on continue. Le colibri et puis cette coquille Saint-Jacques et oui j'adore aussi positionner la guirlande. Cette guirlande, ça fait très longtemps que je l'ai, au moins plus de 20 ans. Ce sont des notes de musique et oui, bah, ça me rappelle le fait que j'aime la musique. Entre ma libellule qui j'y tiens beaucoup, et puis à côté un joli coquillage. J'ai mis également des boules blanches pour reprendre le thème de coquillage. Mon orange, et puis là une belle étoile de mer aussi qui fait. Ma foi, je l'utilise comme étoile hein, pour la mettre en haut du sapin. Ah oui, cet ange, il est un peu ébouriffé quand même, cet ange. Je ne sais pas ce qu'il a fabriqué. En fait, il était rangé avec le Père Noël. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans le carton depuis un an. Je me le demande. Allez, deux derniers coquillages, je trouve magnifique celui-là. Regardez comme c'est bien fait, en plus avec la petite perle. Je trouve ça superbe. Et puis un autre. Alors, ce cadeau donné plus d'un mois à l'avance, hein, c'est pas banal quand même, eh bien, c'est une liseuse. C'est un excellent cadeau. Là, c'est la marque Kobo. Alors, on m'a dit que c'était la meilleure. Hein. Moi, je veux bien, je ne suis pas payée pour faire de la pub. Celle-là, c'est H2O. Voilà comment se présente la boîte, pour que vous puissiez reconnaître éventuellement. Donc, on peut lire dans l'eau. C'est un peu stupide comme idée, mais bon, pourquoi pas dans le bain, dans la piscine. Donc, ça ne viendrait pas à l'idée. Cette fameuse liseuse, eh bien, je trouve ça extrêmement pratique. Ça fait du bruit. Cette fameuse liseuse. Oui, j'aime les livres, en fait. J'aime le papier. Ok, on est bien d'accord. Mais quand vous voyagez, quand vous êtes également ici dans un pays où les livres s'abîment énormément, eh bien, je trouve ça fantastique d'avoir cette capacité d'avoir au moins, je ne sais pas, moi, 4000 livres, et de pouvoir les avoir gratuitement. Vous pouvez en acheter aussi, hein, mais vous pouvez retrouver énormément de livres gratuits. J'ai pu lire Marie Stuart de Stéphane Zweig, qui est une femme d'ailleurs qui n'était pas très maître de ses sentiments, et c'est ce qui l'a perdu. Marie-Antoinette également, toujours de Stéphane Zweig, qui elle était quand même un petit peu fofolle. Hein. On constate tout de même... très olé olé. Et puis, je lis actuellement le roman de la momie, et je ne l'ai jamais lu, de Théophile Gautier. Je fais un coucou d'ailleurs à Marianou, qui elle me disait qu'elle, c'est la première fois qu'elle lisait Belle du Seigneur, et qu'elle me disait de Cohen, donc comment se fait-il que je suis passée à côté? Ben oui, voilà, moi c'est pareil, le roman de la momie, je ne l'avais jamais lu. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, moi, je suis allée quelques fois en Égypte et donc je peux resituer les choses, c'est encore plus passionnant pour moi. Alors, la lecture est très facile. Il y a un rétro-éclairage. Alors, quand vous êtes en pleine lumière, quand vous êtes également le soir avec une petite lampe de chevet, ça s'adapte énormément. C'est très reposant pour les yeux, hein, vraiment. On voit que c'est fait pour cela. Moi, je vous le recommande. C'est un certain poids. Le poids d'un bouquin, je vais vous montrer quel livre. Voilà, vous voyez, le poids de ce style de bouquin quand même. Hein. Donc c'est vrai que dans un sac à main, bon, ça pèse. Mais je trouve ça formidable pour le voyage. Et puis, je crois que c'est l'avenir en fait, hein, tout simplement. Ça ne nous empêchera pas de garder de superbes bouquins dans nos bibliothèques. Mais c'est une solution pour avoir accès à une multitude de livres et très facilement. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Mais je vais vous poser
Allez, deux questions, question en vrac. Est-ce que vous, si vous n'aviez pas trop envie de faire ce sapin de Noël avec les événements du 13 novembre, est-ce que, par contre, vous le faites, allez le faire, et quel thème vous envisagez éventuellement? Et puis, est-ce que, bah, tiens, comme moi, vous avez l'impression qu'en vieillissant, vous ressemblez plus à votre papa ou votre maman? Voilà, c'est un peu indiscret, mais bon, est-ce que vous avez cette sensation aussi? Ce qui est une sensation assez particulière. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine, où là, je crois que je vais vous emmener faire un tour du monde à ma façon.